du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. S'asseoir. Bonasera a tutti l'amici corsi, bonsoir à toutes et à tous, que vous soyez corse ou sympathisants de notre île, vous êtes ce soir les bienvenus dans cette église Saint-Odile. Je voudrais également saluer toutes les personnes qui nous suivent en direct, grâce à Franche, le responsable de communication du diocèse d'Ajaccio. Et puis un grand merci au père Stéphane Biaggi et à sa paroisse qui nous accueille ce soir pour cette messe. Un grand merci aussi au docteur Benelli et aux chanteurs qui vont animer cette célébration. Monseigneur de Germay n'est pas là ce soir parce que, vous le savez, il est en partance pour le diocèse de Lyon dont il a été nommé archevêque. Ce soir, c'est moi qui vais présider cette Eucharistie et j'ai beaucoup de joie d'être là, ayant été pendant plus de 8 ans le vicaire général de Monseigneur de Germay. Alors ce soir, que fêtons-nous? Eh bien, nous fêtons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Cette célébration nous rappelle que Marie a reçu un don très particulier de l'Esprit Saint. Elle a reçu une grâce unique pour pouvoir se battre victorieusement contre tout ce qui aurait pu l'empêcher d'entrer dans la volonté de Dieu notre Père, d'accueillir le Christ et de le donner au monde. Bref, Marie a reçu de l'Esprit Saint la force de toujours pouvoir librement dire oui à Dieu qui lui demandait d'accueillir et de donner au monde son propre Fils. De sorte que nous admirons le Christ, homme parfait, et nous admirons aussi la Vierge Marie, sa mère, femme parfaite. On pourrait dire avec un peu de sourire que notre Dieu n'est pas sexiste, puisqu'un homme et une femme nous sont donnés en exemple. Et puis nous avons une raison toute particulière, nous les Corses, de fêter spécialement l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Alors je vais rappeler quelques extraits du premier article d'un règlement qui a été écrit le 30 janvier 1735 par des délégués du peuple corse au couvent Sant'Antone di Agazayanca dans la Castagniccia. Alors voilà ce qui était dit. Au nom de la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, sous la protection de la Sainte Mère Avocate, nous élisons pour la protection de notre patrie et de tout le royaume de Corse, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et de plus, nous décidons que la veille et le jour de sa fête soient célébrés dans tout le royaume avec la plus parfaite dévotion et les démonstrations les plus grandes. Alors ce soir, chers frères et sœurs, nous allons essayer de vivre dans la plus parfaite dévotion et dans les démonstrations les plus grandes, cette fête qui est devenue, pour beaucoup d'entre nous, Ave Stadia Nazione. Et maintenant, si le Christ est parfait, si la Vierge Marie est sans péché, ce n'est pas notre cas à nous. Alors nous allons reconnaître avec loyauté, mais avec confiance, notre péché pour implorer le pardon du Seigneur. Et je vous invite à vous lever. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduisent à la vie éternelle.
Et maintenant, en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Conception immaculée de la Vierge, puisque tu l'as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifiée nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On va s'asseoir. Traditionnellement, lors de cette messe, la première lecture est proclamée en langue corse qui nous raconte la destinée d'Adam et Ève après leur péché. Dal libro da Genesi. Ma l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ad un tesa tua voce in lo giardino e ha già avuta paura, perché son nudo e mi so piatto». O Signore Dio disse: «Qual è? E chi t'ha imparato che tu sei nudo? Hai mangiato dell'albero che ti ha difeso di mangiare?» L'uomo disse: «A donna che tu hai messo vicino a me m'ha dato dell'albero e n'hai mangiato». E il Signore Dio disse a donna: «Perché hai fatto questo?» A donna rispose: «A serpo m'ha zilingato e n'hai mangiato». Il Signore Dio disse al serpo: «Forse che tu hai fatto questo, sarai maledetto da tutto il bestiame e tra tutti gli animali di campagna. Mangerai nel tuo corpo e mangerai a polvere tutti i giorni della tua vita. Metterai un'imicizia tra te e la donna, tra la tua posterità e la sua posterità. Questa ti sfragicherà il capo e avvericherai la calcagna». Disse la donna: «Aumenterai il battimento di tue gravidanze, perturerai il dolore, e a tuo brame si porteranno verso il tuo marito, ma verrà soprano nato a te». Disse all'uomo: «Posto che t'hai ascoltato la voce di tua moglie, e che tu hai mangiato dell'albero che t'hai difeso di mangiare, dicendoti: non ne mangerai, a terra sarà maledetta a causa di te. Il compatimento che tu ne piglierai ad ogni dritura, ogni giorno di tua vita».
ti producerà spine e lamationi e mangerai larva di acampagna. Decusudore di adofaccia, che tu mangerai un pane, finché tu torni alla terra di dove sei stato pigliato, chi polvera si e in la polvera tornerai. Adamo chiamò a sua moglie Eva, che ti è stata mamma di tutti i vivi. Parola di un Signore. Rendiamo grazie a Dio. J'exulte en mon Dieu, en Dieu mon Sauveur. J'exulte en mon Dieu, en Dieu mon Sauveur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles par son bras très saint, par sa main puissante. Il s'est assuré la victoire. J'exulte en mon Dieu, en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. J'exulte en mon Dieu, en Dieu mon Sauveur. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. J'exulte en mon Dieu, en Dieu mon Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple. Car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la première lecture nous a rappelé de façon imagée, de façon symbolique, le drame de l'humanité à travers l'histoire d'Adam et Ève. Alors il y a ce fameux arbre, cet arbre qui était finalement l'arbre test, le test de la confiance. Est-ce que l'homme et la femme allaient faire confiance à Dieu qui leur disait « Ne mangez pas de cet arbre, sinon vous allez mourir » Ou bien, est-ce que l'homme et la femme se sont méfiés de la parole de Dieu, ont pensé que Dieu était pervers, et finalement se sont détournés du chemin de la vie? Eh bien, la réponse, vous la connaissez. L'homme n'a pas eu confiance, et finalement, à travers cette méfiance, cette défiance qu'il avait vis-à-vis de Dieu, eh bien, il a pris un chemin de souffrance et de mort. Et donc, c'est la grande histoire des hommes qui est une histoire de péché, de méfiance, de défiance, de souffrance et de mort. Et on peut sourire quand on entend ce passage. Dieu qui dit à Adam, « Alors tu as mangé le fruit. » Et Adam qui dit, « c'est la femme qui m'a donné. » Alors Dieu dit à la femme, « Alors tu as mangé le fruit. » C'est le serpent, c'est le serpent. C'est pas ma faute, c'est la faute des autres. » Alors ça peut nous faire sourire, mais c'est l'expérience que nous faisons de temps en temps, de ne pas reconnaître les fautes que nous faisons. Alors à la fin de ce texte, eh bien, il y a le grand combat, le combat entre le serpent et la descendance de la femme, le combat entre le mal et l'humanité, le mal qui sans cesse depuis les origines blesse l'homme, fait souffrir l'homme. Et puis malgré tout, eh bien, une humanité qui persiste dans la vie, parce que Dieu veut lui faire grâce, parce que Dieu veut l'arracher à ce mal, à cette souffrance et à cette mort. Alors, nous savons que Dieu notre Père a envoyé son propre Fils pour que nous soyons justement arrachés à cette souffrance, à ce mal qui nous mine et qui nous dévore. Alors Jésus, vous le savez, a revêtu notre nature humaine avec toute sa pauvreté, avec toute sa souffrance, mais Jésus, lui, a fait confiance. Il a fait confiance à la parole du Père. Il a vécu pour les hommes l'amour que le Père lui demandait de vivre, en guérissant les malades, en donnant à manger aux foules, en offrant le pardon. Jésus a manifesté qu'il venait effectivement de la part d'un Dieu de vie,
et il est allé jusqu'au bout de la confiance en acceptant dans l'injustice et la souffrance la plus terrible la mort de la croix, en disant « Père, en tes mains, je remets mon esprit », c'est-à-dire « Père, tout est perdu, mais je te fais confiance ». Le résultat, c'est la résurrection du Christ, et nous qui adhérons au Christ, mort et ressuscité, eh bien, nous participons à son combat, mais nous participons aussi à sa victoire, comme saint Paul nous l'a dit dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre. Car Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard, et il nous a choisis en Jésus. C'est à travers notre relation au Christ, notre union au Christ, que nous devenons appelés à la sainteté et que nous pouvons la vivre. Alors il y a la Vierge Marie, qui a reçu ce don de l'Esprit de façon suréminente, de telle sorte qu'elle a vécu la perfection de la fidélité, et il y a nous aussi qui avons reçu ce don de l'Esprit de façon peut-être un peu moindre, mais qui nous conduit aussi sur le chemin de la sainteté. Alors tournons-nous vers la Vierge Marie dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Elle est saluée comme comblée de grâce. Voilà donc ce don unique de l'Immaculée Conception qui est signifié par l'ange lorsqu'il s'adresse à Marie. Alors, l'ange annonce à Marie qu'elle va être la mère du Messie. Marie comprend très bien ce dont il s'agit. Et dans la tradition juive, déjà, on pensait que le Messie allait naître d'une vierge. La tradition grecque de la Bible juive parle déjà de naissance d'une vierge. Alors, Marie s'interroge, comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? Et l'ange répond que cela va se vivre par la force de l'Esprit-Saint. Et Marie fait confiance. Elle va dire « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon sa parole. » Confiance qu'elle va pouvoir être la mère d'un enfant dans sa virginité. Confiance qu'elle va pouvoir garder une forme de dignité alors qu'elle est la mère d'un enfant qui n'est pas de son mari. Vous savez que les femmes adultères, on pouvait les prendre à coups de pierre. Et donc, d'une certaine façon, Marie jouait peut-être pas sa vie, mais en tout cas sa réputation. Et elle a fait confiance. Et il est important de nous attarder un petit peu sur la vie de la Vierge Marie, sur tous les moments où elle a fait confiance. La naissance de Jésus, Jésus couché dans une mangeoire à bestiaux. Voilà le roi du monde, la crèche, c'est une mangeoire à bestiaux. Eh bien, Marie a gardé la confiance, et une forme de confiance qui s'appelle l'espérance, quand les choses ont l'air de dérailler et de ne pas aller comme on pensait. Et puis, vous rappelez cet épisode, lorsque Jésus est au temple à 12 ans, il reste dans le temple alors que ses parents ne le savent pas, ses parents le recherchent angoissés pendant 3 jours, et puis Jésus leur répond « Enfin, ne saviez-vous pas que je dois être chez mon père ?» Et on nous dit que les parents de Jésus ne comprirent pas. Et pourtant Marie continue à méditer ces choses dans la confiance et dans l'espérance. Et puis il y a ce moment cruel de la croix. Marie est debout au pied de la croix. Bien sûr, c'est la pire des douleurs qu'elle est en train de vivre. Une mère qui voit mourir ainsi son enfant, elle reste debout au pied de la croix, dans la confiance, dans l'espérance. Et puis pour terminer avec Marie, eh bien, il y a la charité, l'amour de Marie. Marie qui, une fois qu'elle a entendu l'annonce de l'ange, va se tourner vers Élisabeth, sa parente, pour aller la saluer. Marie qui, ensuite, aux noces de Cana, va se préoccuper de ce banquet où il n'y a plus de vin. Marie qui va être au pied de la croix, bien sûr, et continuer à accompagner l'Église, à prier avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit-Saint. Marie donnée par amour. Voilà la plénitude de la réussite de la vie de cette femme. Et donc, pour terminer, il y a notre baptême. Nous avons été baptisés dans l'eau et dans l'Esprit-Saint. Nous avons été unis au Christ. Et donc nous sommes devenus capables de vivre une authentique sainteté, même si elle n'est pas parfaite. Alors demandons à la Vierge Marie qu'elle nous donne chaque jour l'exemple, et puis qu'elle implore le Christ pour que nous ayons la force de vivre la confiance en la parole de Dieu, en l'exemple de Jésus, en son enseignement à mettre en pratique, l'espérance quand tout peut paraître perdu à cause des épreuves de la vie, maladies, disputes, la mort qui se présente, et que nous gardions surtout la plus belle des charités, c'est-à-dire nous donner par amour à toutes celles et à tous ceux qui nous entourent, dans le service des pauvres, dans la capacité de demander pardon et de pardonner, dans la capacité d'être unis dans l'amour fraternel.
Et maintenant, en mémoire de notre baptême, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et maintenant, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par l'intercession de la Vierge Immaculée, Reine de la Corse, nous t'en prions, Seigneur Jésus. Soutiens notre foi et notre espérance chrétienne dans la fidélité à la prière et à l'Eucharistie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par l'intercession de la Vierge Immaculée, Reine de la Corse, nous t'en prions, Seigneur Jésus. Aide-nous à être généreux, désintéressés, indulgents, pour que nous soyons de vrais témoins de ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par l'intercession de la Vierge Immaculée, notre Mère, nous t'en prions, Seigneur Jésus, veille sur la Corse, protège nos familles, fais reculer dans notre île toute forme de précarité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par l'intercession de la Vierge Immaculée, notre Mère, nous t'en prions, Seigneur Jésus, soutiens ton Église de Corse, son clergé et ses fidèles, et donne-lui un évêque selon ton cœur. Seigneur, Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, ta mère et notre mère, daigne exaucer toutes les prières de tes frères et sœurs, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie, puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché. Accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce, pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce,
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, Seigneur de Germay, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier les frères et sœurs confiés à notre prière. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Odile et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous qui avons été baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons redire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. » Donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et de loin, frères et sœurs, manifestons-nous un geste de paix les uns aux autres. Amen.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu fais de te recevoir, mais incessamment une parole et je serai guéri.
Prions encore ensemble. Que cette communion, Dieu notre Père, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée par Jésus, le Christ, notre Seigneur. J'invite à vous asseoir quelques instants. Chers frères et sœurs, je crois que l'une des coutumes de cette messe annuelle, c'est aussi de solliciter votre générosité en faveur de l'Église de Corse. Alors vous savez que notre Église, comme les autres diocèses, a été impactée par l'épidémie du Covid-19 et donc nos recettes ont gravement baissé et donc notre budget se trouve en déséquilibre, voilà, comme évidemment d'autres églises en France. Alors, si effectivement vous êtes attaché à notre Église de Corse, eh bien, n'hésitez pas à participer aux deniers de l'Église pour le diocèse d'Ajaccio. Alors, il n'y a pas d'enveloppe pour vous permettre de faire un don. En revanche, vous pouvez simplement aller sur le site de l'Église de Corse. Quand vous aurez votre ordinateur, vous faites Google Église de Corse hein, ou corse.catholique.fr et vous allez tomber tout de suite sur un bouton hein, « Je donne à l'Église ». Et ensuite, vous pouvez donner en ligne au denier de l'Église de Corse. Voilà. Donc, je n'insiste pas, mais je compte sur votre amour de la Corse et de son Église et bien sûr sur votre grande générosité. Et je réitère tous mes remerciements à ceux qui ont participé à l'animation de cette messe, notamment à l'organiste. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge Sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce, le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous asseoir quelques instants et la parole est au docteur Béni. Cari amici, siamo tutti riuniti stasera per la festa di Annazione, consacrata alla Vergine Maria Immacolata Concezione. È un grande onore per la Corsica dare una regina così bella e così perfetta. Non c'è mai un paese che ha avuto una regina così bella che la Vergine Maria. I nostri antenati, i nostri padri, l'hanno scelta come regina di un nostro paese. Voglio ringraziare l'UESCO di Corsica e il vicario generale Jean-Yves Queroli di non aver mica ascoltato i corsi di Parigi e di essere giunto con noi per festeggiare questa consacrazione di Corsica alla Vergine Maria. Voglio di nuovo ringraziare il padre Stefano Biagi, parrocco di sta bella chiesa di Sant'Odile, che torna quest'anno e ci accoglie con grande amicizia per questa festa. Voglio ringraziare tutte le associazioni di Corsi di Parigi che hanno fatto cuore a oggi di sta bella celebrazione, di sta festa e che sono fedele a mantenere informati tutti i Corsi di Parigi di queste feste. Siamo tutti riuniti, siamo nell'allegria. Perché siamo nell'allegria? Siamo nell'allegria perché c'è tra di noi una fratellanza, una gioia di essere insieme, che vi ha fatto muovere stasera per venire qui. E sta fratellanza, sta gioia è vera, è profonda, è bene di una cosa. E che la Corsica, consacrata alla Vergine Maria,
a Vergine Maria, ia madre di Redentore, o nostro Signore Gesù Cristo, nato da Vergine, per salvarci dalla morte. Quando la morte è vinta, c'è una vera gioia, c'è un vero amore di vita. Allora, in tutte le chiese di Corsica, domani, giocheranno le campane, canteranno in tutte le chiesole dei nostri paesi, delle nostre città, canteranno Dio visa per Regina. Allora, stasera noi qui in Parigi, perché un mondo sappia che a Corsica è consacrata la Vergine Maria, vi metterà a alzarvi e a cantare tutti insieme a gran voce o Dio visa per Regina. Cantiamolo tutti insieme per piacere. Alzatevi, non avete paura di cantare tutto un soffio con la vostra anima, con il vostro cuore. Dio vi salvi. À tutti, et nous aurons le plaisir de vous saluer à la sortie.